Monsieur le Président, Félix Tshilombo. Monsieur le Président, excusez-moi, na zongi le kutitoyeyo parce que na ngoni ki ozana au seriete. Merci mingi na ndenge ondimaki que justice ya mboka na biso ezali malade. Cet aveu, c'est une marque de sincérité. Quand on avoue sa faute ou son échec, il faut la considérer na option mingi. Soit ou abdiquer dans une fille, ou le bon, nga, l'ami Bendi Nangai, avec toi, bilokonyo soit au prometaki bateau, tu n'as même pas encore fait un pas, même pas un geste, na bilokonyo soit au prometaki biso. Yo aussi au pisibiso, ba promesse mingi, au point tout, soit qu'il est lo, au kikulubake, au kubungwana, attends moto mon côté, kati na biso oyo, akoki kondimela yo. Mpo pendant mbula mitano oyo osalisi ezali kaka lokuta na lokuta, lokuta na lokuta. Mentir, c'est une profession pour vous. Après 8 mois, Kenzoto ya moyi ndeko na biso Kondo Jeribe efandaki na kati ya frigo et les gens croyaient que liloba ya suka oyo ekobima na kati ya monoko ya ba representer la justice. Et qu'on allait à solo payer pour ça. Justice n'a pas tenu. Malheureusement, Bissonios sont déçus complètement, totalement déçus. Et ça rentre dans l'ordre de ce que le bail que la justice est malade. Messieurs le président, ils allaient sonner. Que n'est qu'on a eu, ou ils allaient qu'on soupçonne, parce qu'on tanga, ils sont soupçonnés. Ils allaient qu'on tanga. Un certain Christian Tshisekedi dit que yéne moto, aboma, Cheribé Okende. Monsieur le Président, ça t'embarrasse, n'est-ce pas? Toi et ta propre famille biologique, que vous tous, vous êtes liés à l'assassinat d'un compatriote. Vous êtes confondus. C'est de la honte. C'est de la honte. Ça sonne, Ming. Vous allez tuer un être humain, Mponandako. Ça vous accable, Monsieur Félix. Je ne dis pas que c'est toi qui as tué, mais au moins les noms de ton frère est déjà cité. Et ça fait la honte parce que c'est une tâche, la famille Nabino, c'est une tâche auprès de toi. Sous d'autres cieux, tu démissionnerais. Et si le peuple était éveillé, le peuple, la population marcherait jusque chez toi. Et si la population était courageuse, et je pense qu'il est temps que cette population pouvait déjà commencer à marcher. Devant ta résidence, si tu en as une, et devant la résidence de ton soi-disant frère, Christian, tu sais que je ne connais pas à quoi il ressemble. Pour que nous ma vie à moto, à cause d'un nako. Vous ne voulez pas vous comporter en être humain, vous manquez l'altruisme, vous manquez la sympathie, l'empathie, vous manquez tout, et vous vous comportez en animaux. Depuis que tu es entré à la présidence, de complicité en complicité avec Kamere et les autres. Vous n'avez que fait tuer les gens. Parce qu'on ne comprend pas comment est-ce qu'on peut tuer quelqu'un pour une maison. Alors qu'on a amassé autant d'argent. Et toi, Félix, les propos que tu tiens à tout moment est une illustration de la sottise, des propos bêtes que tu tiens, cherchant à flatter les gens et en prouvant que tu as vraiment les pouvoirs à main. Qu'est-ce qui fait que vous ne voulez pas que les autres vivent? Et que vous croyez que, parce que vous êtes au pouvoir, vous tous, vous croyez que le Congo vraiment vous appartient à vous seul, vous le Baloba, l'équipe qui vous entoure de flatteurs et quelques individualités que vous avez triées au menu d'autres tribus qui s'agenouillent et qui rampent devant vous, et vous croyez que le Congo seulement vous appartient. You're not different from them. You're not. Tu es un pouillé. Tu es un puits, tu es un misérable, toi et tes gens. Qu'est-ce que tu es, toi, pour ôter la vie à un être humain comme toi? Félix, ça a sonné. Ce qui n'est qu'on a eu, n'est abomaki, chéri bien aucun. Nous sommes égaux. Nous partageons les mêmes besoins. Puis ce n'est surtout qu'à Kanzala. Tu l'alak, tu soubaka, tu sumbaka, tu salak kobo, tu kweyaka malade. Et ces étages de la vie, ou ces étapes de la vie,
ne discrimine personne. Obumi okende. Nenge mindele baboma Lumumba. Nenge mindele baboma Kabila. Thomas Sankara. Hugo Chavez. Steve Biko. Et le reste. Okoboma baide yabato oyo. Bazali normote. Ba esprit na bango. Et qu'on continue ko ante yo. Tu n'auras jamais de bonheur dans ta vie. Bana mboka ya Congo, bande konangai, mbote na bino, bon après-midi, bientôt ekozala bonsoir, nenge balobaka na lokota ya lo français. Mbote na bino. Monsieur le président, Félix Tshilombo, mbote na yo. Merci mingi, nandenge ondimaki ke justice ya mboka na biso. Ezali malade. Vous avez reconnu la morbidité du système judiciaire Nambo Konabiso. Cet aveu, c'est une marque de sincérité que vous allez sincère. Et nakati la vie, quand on avoue sa faute ou son échec, il faut la cancer na option mingi. Soit ou abdiquer. Signifie au lobby bon nga la mi bendi nangai soit au promettre bateau tout moninga na yo ki oui ezali faute nangai na kosala yango le société na kozongela yango le société mpe na sengi na yo to na bino bozana eliki yake na kozala moto ya malamu to na kosala biloko ya malamu. Il y a beaucoup d'autres options où parfois bakoyeb so non signé awa parce que soki ozongi lisusu bakambwana eh ben tokozoyo. Mais avec toi monsieur le président, excuse-moi na zongi le kutitoyer yo parce que nangoni ki ozana au seriete biloko nyoso prometta ki bato alone ya nani ya investir na yo tu n'as même pas encore fait un pas, même pas un geste, n'est-ce pas, nous au premier temps que biso. Alors, je voulais dire que ce qui ont dit, faute na yo, ils allaient malam. Kasi, yo aussi au PC biso, ba promesse mingi. Au point tout, ce qui est là, au kikulubake, au kubongwana, à tant de mon côté, kati na biso, oyo, akoki kondimi la yo. Mpo, pana, mbula mitano, oyo salisi, ezali kaka lukuta na lukuta, lukuta na lukuta. Na yo, na bato bazali, na zinga zinga na yo, mentir, c'est une profession pour vous. E, soki ozo kubuka lukuta, pe ozo ka sonite, elakisi ke quelque part na kati ya mutu na yo, bongo na yo quelque part, même à temps, tiens, on a tour, il y a quelque chose qui ne marche pas. Kasi, merci, n'est-ce pas, l'obaki. N'y a pas qu'on dit, mais que le système et la justice n'est pas sûr, ils ont autant de la malamoté. Ils ont autant de la malamoté parce que, il y a pas qu'on aux alli, moto ya liboso, il y a qu'on violé le système ouana. Dans l'ingina zong, il y a été, il y a qu'on batoubing, il y a si balobi, mais en fait, on dit que la répétition, c'est la mère des sciences. Akane si yo litoy na yo ezali na kati ya ba media ndenge bato tout bazokoloba bazokonane yo na famille na yo ce dernier temps il y a de cela presque une semaine depuis que procureur général na yo ya république ayaki na verdict ya investigation après 8 mois Kenzoto ya moyi ndeko na biso kondo Chéribé,
Et Fada qui n'a qu'à tirer frigo. Et les gens croyaient que. Le bas souko y a qu'on vient à Kati. Y a monoko. Y a pas représenté la justice. Et qu'on allait à solo payer pour ça. Justice n'a pas tenu. Malheureusement, Bissonios tous allés déçu complètement. Totalement déçu. Et ça rentre dans l'ordre de ce qu'on le bas que la justice est malade. Mais Batonios ou Bazan, quand il y a justice, on a ce qui coiffe la sommité de la justice chez nous. Ezali yo moto no maka bango yo moto pesa bango e bongo wana ba fanda wana pe bazo fanda wana parce que yo o pesa ki bango confiance et puis la majorité baza batu ya mboka na bino mboka baza na batu ya tribune yo monsieur le président ezali sonne ke ndeko na yo oyo bazali ko soupçon pe bazo ko tanga ezo soupçon te de bazali ko tanga un combo naïe, un certain Christian Tshisekedi, qui yende moto aboma cheribe okende. Mais vérité n'y a pas bimi na noté complètement. Kasi petit à petit, bo solo wana ezali kobima, petit à petit. Mpe soki bandi kobima, eko zonga le susute. Monsieur le Président, ça t'embarrasse, n'est-ce pas? Toi, ta soi-disant famille politique et ta propre famille biologique, que vous tous, vous êtes liés à l'assassinat d'un compatriote. Vous allez sonner mingi. J'ai suivi déclaration d'un délégué représentant de sa famille, Oya Lubike, ils ont toutes les données possibles, toutes les données, toutes les évidences, malgré verdict, déclaration, il y a procureur Nayo, il y a magistrat Nayo, il y a juge Nayo, malgré déclaration Nayo, Oya Lubike, Batonyoso, Bakanga Munoko, Ye, seul est le fondé du pouvoir et de la justice. Qui doit dire la vérité. Malgré tout ce qu'il a dit, les loyaux, avec les lobaos et bimaki na monoko ya neko ya moi, vous êtes confondus. C'est de la honte. C'est de la honte. Ça sonne mingi. Vous allez tuer un être humain. Mpona ndako. Nous n'avons pas encore toutes les preuves, mais eloko ezoko lobamana 1, 2, 3, 4, 20 minoko. Eko kozala, lokutate. Ça vous accable, monsieur Félix. Si ce n'est pas toi qui as commandité l'assassinat, c'est ton frère, et pendant toute cette période de 8 mois, ton gouvernement a cherché à les couvrir, à les protéger, mais na mboka na biso na tribune nga baloba boye. Vérité ezalaka neti zemi. Okuwanga na keno nga na sala kananga ekobote. Kasi avec le temps, même atali bumwe mwasi ezaka muke. Ekobima kaka et puis bako pointer Mosapi, et pas que, oh, Ozana Zemi. Ne, Liboso, Abane, Kouangana, Ngai, Nasa Kananga. Eko bote, Nalala Kana Mobalite, Ngana Zali Nangai Vierge, Nazananga bien, Eloko Mokote. Vérité, Zalaka, net Zemi. Okuangana Ngo, Kasi, Eko Bima. Mpeso ki Bimi, Mwana Kobotama. Mwana Wana, nde vérité, nde ekata makambo. Namboka na biso balobaka lisusu, vérité, ezali neti nyei. Okosumba yango, ata oti ba produit chimique opulverize yango, soloka ke kobima.
na mboka na biso biso balega baloba le susu boye ko ndile mwame akwile ne bato bayeba esika moto akufa ye moko ezalaki na témoin te me akufa kuna ye moko akufa quelque part na zamba témoin ezalaka te me ler matiti ebimi esika akufelaka bato bakoyeba akufa ndenge nini donc okiyo na justice na yo ezali morbide boki koya na argument pour chercher à masquer la vérité. On ne masque pas la vérité. La vérité, c'est la vérité. On ne masque pas la vérité. C'est pour cela qu'il ne faut pas faire du mal aux gens. Parce que ça se saura. Ton prédécesseur a causé l'hécatombe au Congo. Et il a cru parce qu'il avait le pouvoir. Il pouvait bien masquer tout ça. Et il pouvait s'en tirer facilement parce qu'il était le président et il avait le soutien de tout ce monde qui le flattait dans le sens du poil et la communauté internationale qu'il corrompait. Mais aujourd'hui, il est devenu presque un vagabond qui dort par-ci par-là malgré les millions qu'il a. Dans sa tête, il n'est pas tranquille. Je pense qu'il passe son temps. Il n'y a pas que toi que je t'ai dit. Et Kanambe passe son temps à ingurgiter de whisky et de Jack Daniels pour qu'il puisse ne fût-ce que dormir tranquillement. Malgré tout ce qu'il a en compte bancaire, il n'est pas calme. À cause des esprits de tous ces gens qu'il a précipités dans des fosses communes et partout d'autres qu'il a guillotinés, qu'il a tirés, tout ça. Il en est de même avec toi. Monsieur Félix Tshisekedi, je ne dis pas que c'est toi qui as tué, je suis dans la présomption, mais au moins les noms de ton frère est déjà cité. Et ça fait la honte parce que c'est une tâche, la famille Nabino, c'est une tâche auprès de toi. Sous d'autres cieux, tu démissionnerais. Et si le peuple était éveillé, le peuple, la population marcherait jusque chez toi, à ta résidence. Je ne sais pas si tu te rappelles, si tu es accro à l'actualité, à l'époque, quand la mère de la star nigériane de la musique, qui est morte déjà depuis longtemps, Monsieur Fela Anikulapo, alias Ramson Kuti, où il y a un banzim, où il y a en Afrique, Chakara, ore, ore, Chakara, quand sa maman est morte, et il avait remarqué que sa maman est morte suite au stress et au service du gouvernement et du président de l'époque, dont j'ignore le nom encore, si c'était Babangui, donc je ne sais pas qui. Il a mis dans un camion, il a mis le cercueil dans un camion. Lui-même a pris les volants. Il a conduit jusqu'à écraser la garde présidentielle devant les palais. Et jusqu'à entrer à la présidence, casser le portail et déposer le cercueil de sa maman en bas dans la cour de la présidence, demandant au président d'enterrer sa maman. Il a fait ça. Très courageux qu'il était. Ainsi, la population était courageuse. Et je pense qu'il est temps que cette population pouvait déjà commencer à marcher devant ta résidence, si tu en as une, et devant la résidence de ton soin des frères, Christian, tu sais que je ne connais pas à quoi il ressemble. Bon, toutefois, c'est un être humain. Et Ali Soni, Kobomamoto, Ponandako. Dis-moi, cette maison, c'était, ou bien c'est une, c'est semblable à une pyramide pharaonique d'Égypte? C'est semblable à la Maison Blanche? C'est semblable à Empire State Building aux États-Unis, c'est semblable à la Tour Eiffel, c'est semblable à quoi? Si ce n'est qu'un amas de pierres, de briques, de la ferraille, avec différents murs,
dans laquelle on peut passer sa nuit et se réjouir temporellement, si l'on doit se baser sur la temporalité de la longévité de l'être humain sur la Terre. Pour que ton frère aille tuer quelqu'un. Pour l'andako, parce que ça se trouve à la Gombe. Mais la grande étendue qui est le Congo, mais l'on peut s'acheter un terrain partout, acheter les architectes et le maçon pour se construire Palace Amunene Omotwalingi. La bonne vie ne doit seulement pas se passer à la Gombe, qui est déjà infestée par une multitude de gens, de criminels, que ton gouvernement y amène et permet d'y vivre. Mais ton frère pouvait être comme un moine qui s'écarte quelque part. C'est ce que les richissimes font. Ils se construisent des maisons à l'écart, en dehors de la populace. Et ceux-là qui ont de l'argent construisent même des aéroports. Je donne l'exemple d'un des acteurs du cinéma d'Hollywood, j'ignore encore son nom, un Américain mais d'origine italienne, bon, peut-être le nom viendra. Chez lui, il a une bâtisse avec un aéroport chez lui. C'est ça, parce qu'il a l'argent. Et c'est en dehors. Davatmoussousou. Michael Jackson avait la même chose avec son Neverland. James Brown. N'en parlons pas, c'est presque toutes les stars de tout le domaine et tous les milliardaires de l'Amérique qui se construisent des maisons. Dans l'isolement, ils ont tout. Mais pourquoi ton frère doit aller prédater la vie de quelqu'un à cause d'une maison? Qu'est-ce que ça avait? Ça a de l'or? Se construit en diamant? Ou sur quoi? Pour que ne coupe ma vie à moto, à cause d'un naco. Avec tout ce carré minier que vous exploitez, famille Nayo, tout ce que vous avez amassé et que vous continuez à voler comme argent, ça ne peut pas vous permettre de vous construire une nouvelle maison avec l'architecture moderne, qu'aller tuer quelqu'un, une père de famille, laissant ses enfants. Mais cette maison que tu achètes et pour laquelle ton frère a tué, Cheribé Okende, n'augmentera aucun nombre d'années sur sa vie. Il finira par mourir, comme nous tous. Ce qui vous pousse à faire tout ce que vous faites. C'est la gourmandise, c'est de l'égoïsme, c'est de l'égocentrisme. Vous ne voulez pas vous comporter en être humain qui doivent partager ce que nous avons sur Terre avec les autres. Vous manquez l'altruisme, vous manquez la sympathie, l'empathie, vous manquez tout et vous vous comportez un animal. Depuis que tu es entré à la présidence, en complicité avec Kamere et les autres, vous n'avez que fait tuer les gens. Comme si vous ne mourrez pas. Et comme je te l'avais dit il y a quelques deux jours, l'histoire ne semble pas t'apprendre quelque chose. Toi, Kagame, et le reste des dictateurs. Ça ne vous apprend rien. Que nous sommes temporaires. Et que tout ce que nous avons pu amasser, ça va rester. Et vous qui vous entourez,
vous autres, vous tous de la politique là, des pasteurs, au Batiaka, Maboko de Kula, Motunabino, mais ils doivent vous dire tout ce qu'ils trouvent, ils lisent, s'ils lisent la Bible, dans la Bible, que Nakati, il y a Genèse, on vous dit, Touta na Mabele, Tokozunga na Mabele. Raison pour laquelle les musulmans, quand ils enterrent quelqu'un, bâti à Kaye na Kati Adra, ceux qui bâtissent les dossiers, qu'on a bâti mon les dossiers, leur bakouboua kanzotonaye, ils retirent le linge là. Bazon ici, moutakala, l'engue à outaka na le bon mounamanae, bazon ici, moutakala, bâti m'appelé l'icolo, bâti dra pembeni. Bazon ici le clos pour le dire, tu es venu de la poussière, tu rentres à la poussière. Bon, cette sagesse ne se trouve pas seulement dans la Bible, c'est dans toutes les sociétés du monde. Mais au moins, il faut réveiller Bisso Bato, bien que nous tous ne vivons par les principes de la survivance des plus aptes. Que le plus fort doit survivre aux grandes âmes du plus faible. Il n'y aura que les plus forts finissent toujours par mourir comme les plus faibles. Alors, il ne sert à rien de tuer l'autre. Et si nous qui nous disons que nous avons une intelligence animale plus que l'intelligence des animaux que nous mangeons, que nous tuons, que nous mangeons et que nous gardons à la ferme. Si nous n'arrivons pas à raisonner comme ça, ça signifie réellement que nous n'avons pas évolué et nous sommes restés bêtes. On n'a pas évolué. Même si on marche sur nos deux pieds, au lieu d'être sur quatre pieds comme les autres, en nous targuant du titre nivelé à l'homo sapiens. Je pense que l'homme de Néandertal, l'homme erectus et le reste des étages de l'évolution de l'homme nous absorbent encore. Nous n'avons pas encore quitté là-bas, malgré l'apparence de l'homo sapiens que nous avons. Parce qu'on ne comprend pas comment est-ce qu'on peut tuer quelqu'un pour une maison, alors qu'on a amassé autant d'argent. Comment est-ce qu'on doit tuer quelqu'un parce qu'il exprime ses opinions contre ta gestion, contre ton administration, contre ton gouvernement, ta politique? Eh bien, on les aiguille. Sachant que soi-même, on est immortel et qu'un jour, on mourra, que ce soit par la force, mais par n'importe quoi, que ce soit par la maladie, mais on mourra toujours. On mourra toujours. Alors, quand on ne raisonne pas jusqu'à ce niveau là-bas, cela prouve que on est resté animal. Et toi, Félix, les propos que tu tiens à tout moment est une illustration de la sottise et des propos bêtes que tu tiens, cherchant à flatter les gens et en prouvant que tu as vraiment les pouvoirs à main. Mais le pouvoir n'est pas fait pour tuer les gens, même si, comme Mobutu le disait, que tu t'inspires de machiavélisme. Et les princes de Machiavel, 15-15, qui avait dit que autant que les gens te craignent, qu'ils t'aiment, parce que ceux qui t'aiment te flattent. Mais quelque part, on doit évoluer. En 1515, quand Machiavel a publié son livre, eh bien, le monde était autre chose. 15, 6 siècles après. Mais il y a des choses qu'on doit remettre en question pour chercher à vivre comme l'homme moderne. Vous nous parlez de la démocratie. Vous nous parlez de beaucoup de valeurs humaines. Qu'est-ce qui fait que vous ne voulez pas que les autres vivent et que vous croyez que parce que vous êtes au pouvoir, vous tous avec votre équipe, vous croyez que le Congo vraiment vous appartient à vous seul.
vous le baloba, l'équipe qui vous entoure de flatteurs et quelques individualités que vous avez triomenies d'autres tribus qui s'agenouillent et qui rampent devant vous, et vous croyez que le Congo seulement vous appartient. Ceux qui vous ont donné le pouvoir et qui veulent revenir, ils veulent revenir aujourd'hui parce qu'ils ont vu qu'ils ont commis une erreur, qu'ils ne sont plus là. C'est une autre génération des administrateurs qui sont là maintenant, qui vous êtes vous. Ils commencent à se rendre compte que l'homme est temporaire, l'homme est éphémère. Par l'homme, je veux dire l'être humain, homme, femme. Il en est de même avec toi, Félix. Tu passeras. Et les autres viendront. Mais copiez le modèle d'ailleurs. Je ne dis pas qu'ailleurs, les gens ne meurent pas. Je ne dis pas qu'ailleurs, les gens ne s'entretiennent pas. Mais caca, attitude et développement. T'as là ailleurs, t'as là. Le Japon, t'as là. Corée du Nord et Corée du Sud. En Corée du Nord. Mais ils ont un dictateur. Mais ce n'est pas ce que les médias occidentaux disent qui se trouvent la Corée du Nord. C'est la dictature. Il y a le développement. Il y a les métros, il y a les trains. Ils inventent des armes, ils fabriquent tout. Mais il est dictateur. Mais vie et salut malam. Mais les médias occidentaux vous disent que c'est pas vrai, on ne ramasse pas des cadavres. À Pyongyang. Mais Zala, ma attitude, il y a développement comme ailleurs, na bamboko na zoko yipsayo. Tout ce que tu voles, tout ce que tu amasses, ça ne te servira à rien. Ça ne servira à rien. Tu dois savoir partager avec tes compatriotes. Ne vois pas seulement ma frère Nayo. Ton frère veut montrer quoi? Alingi a plaire à moi, citoyen, à copine Nayo, tout ça. Bakotlanda connaît Bamonique, ils entrent au paradis. Une maison, c'est une maison. Même si on vivrait en Gaba ou je ne sais où. Les animaux dorment dans les trous. Ils passent bien leur nuit. Ils mangent, ils boivent, ils font leur sexe. Les oiseaux se tissent des nids. Ils vivent là-bas. Et ils font une famille là-bas. Les poissons vivent dans la mer. Ils vivent. Les insectes, même, ils finissent par mourir comme nous qui les tuons et qui croyons que nous avons une intelligence supérieure par rapport à eux. Mais quand on se comporte comme un lion, un léopard, avec un instinct de prédation, il faut me rappeler. Peut-être ça prouve qu'on n'a pas évolué. La vérité commence à émerger petit à petit. Vous pouvez soudoyer les magistrats, les juges, tous ces gens-là que vous appelez les procureurs généraux de la République, vous pouvez vous accaparer des médias et chercher à museler les gens. La vérité est qu'obima, n'est-ce pas mis, n'est-ce pas soulagné. Et puis, ougouka sonne. Et tu peux encore continuer à exister parce que la population est faible. Je ne sais pas si tu avais vu l'année passée ce qui s'est passé à Sri Lanka, peut-être au mois de mars, au mois d'avril, l'année passée, au mois de mai, où la population est qui n'est la présidence. Si la cocotte dans la chambre, ils ont détalé parce que la population a pris une décision, a eu un véritable éveil de conscience et le président a fui. Tu penses que tu es différent de ces autres-là? You're not different from them. You're not. Tu n'es qu'un arriviste. Et les gens qui te connaissent très bien, où tu as vécu une trentaine d'années en Europe, ne demandent pas quand ils décrivent quel genre de vie tu menais. Tu es un pouillé. Tu es un misérable. Toi et tes gens. Qu'est-ce que tu es, toi? Pour ôter la vie à un être humain comme toi. Tu n'auras rien dans tout ça.
toi et Kagame. Vous allez mourir. Vous pouvez nous tromper aujourd'hui que Kagame souffre, je ne sais pas, de cancer de cerveau. Tout ça, on n'y croit pas. Que ce soit un cancer de cerveau, la finalité, c'est la mort. La finalité, c'est la mort. Et lorsqu'il mourra, il ne mourra pas avec le Rwanda, ni avec le Congo. Lui et Bill Clinton. Et l'ancien premier ministre britannique qui est son conseiller, Tony Blair. Ils vont mourir comme nous tous. Il n'y a pas une mort pour les pauvres, ni une mort pour les riches. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une mort pour ceux qui s'appellent des blancs, ni une mort pour les noirs et les autres races qu'ils disent sont inférieures. Demandez à Hitler là où il serait, et même s'il était encore en vie. Posez-lui la question sur le système nazi. Posez-lui la question sur sa théorie des races supérieures, les Aryens. Il a fini par mourir. Soit il s'est suicidé, soit il a été tué. Mais au moins, comme je te dis, la finalité, c'est la mort. Évite de commettre des erreurs comme ce que nous appelons les hommes blancs, les occidentaux et les arabes qui étaient venus nous génocider chez nous pour rien. Ils viennent en Afrique pour voler. Ils ne trouvent pas autre moyen. C'est venir massacrer les gens, esclavagiser les hommes et les amener outre continent pour tirer profit de leur main-d'œuvre gratuite. Et après, ils se disent, voilà, le capitalisme, ils inventent la richesse et nous, ils nous appauvrissent après avoir sucé le cycle énergique que nous avions. Mais ceux-là qui ont inauguré le capitalisme, ne restent que des monuments et l'histoire de leur richesse, comme on venait, par exemple, d'apprendre la mort d'un voyou financier, Jacob Rothschild, un grand trouble fait, un multimilliardaire, il meurt, il laisse tout ce qu'il avait comme richesse. Et le monde ne va se souvenir de lui comme moi. Je me souviens seulement de mon père qui est là. Il est là, comme je me souviens de mon grand-père qui est là, qu'il est là. Le monde ne se souviendra que des portraits affichés au mur et l'argent qu'ils ont tant amassé à côté de Kango. Ça sera fini. Mais c'est la famille Rothschild qui est à l'origine de la crise en Palestine. Ezali Bango, parce que Israël, Ezali, Mboka Basomba na famille Rothschild, ce sont eux. Na ba guerre nyonsi ya mokili, Ezali Bango. Ce sont eux. Ils meurent, laissant Gaza, Palestine, Israël, Fimon, accueillis. C'est la bestialité. Ils ont manque d'intelligence. Et les religions du monde qui nous apprennent l'amour, le respect, tout ce qu'ils appellent l'éthique et la morale, ne nous servent absolument à rien parce que ce sont des outils que les pires d'entre nous utilisent pour nous manipuler, pour nous rendre sous esclaves, pour nous vivre bien et que la majorité soit moutonisée comme d'habitude. Félix, ça sonne. Ce qui n'est qu'on a eu, n'est abomaki chéribin okende. Je sais que tu ne vas pas te limiter là-bas. Tu vas continuer à tuer les gens. Mais, finalité, zané moko. Ba esclavagiste, ba mindele na ba arabe, en mourant, ils ont commencé à se rendre compte que nous sommes la même personne. La nature rend justice à tout le monde.
mala mingi na loba biloko oyo ozala mwindo ozala mundele ozala motane ozala jaune vert devant la nature nous sommes égaux. Enfin, il y a un proverbe qui dit la nature est têtue. Tu le rejettes, elle revient en rebond. Nandengeni, nous partageons les mêmes besoins. Bisonyoso to kakanzala. Tulalaka. Tusubaka. Tusumbaka. Tusala ke kobo. Tokweyaka. Tokweyaka malade. Tokomaka bampaka. Mpe tokufaka. Et ces étages de la vie, ou ces étapes de la vie, ne discriminent personne. Ozala mvwama, ozala mobola, nous tous nous conjuguons ce même verbe. Alors il faut apprendre de biso à respecter les gens, à aimer les gens, au lieu de se comporter. Ndenge mindele bazuko sala, kosala ka ba complot, ya koyila biso ba maladie, mais obumi okende. Ndenge mindele ba boma Lumumba. Ndenge mindele ba boma Kabila, Thomas Sankara, Hugo Chavez, Steve Biko et le reste okoboma ba ide ya bato oyo bazali normoté. Ba esprit na bango et ko continuer ko ante yo, tu n'auras jamais de bonheur dans ta vie. Et ceci, c'est pour le Congo, de Lumumba, de Kasavubu, de Pierre Mulele, de Kimpavita, de Kimbangu, de tous les martyrs congolais et de tous les Congolais qui se battent pour que la nation congolaise soit. Société, ba société belé, boyoka l'insate. Tout comme on a bafoué, n'a bafoué n'est mon go. Papa n'a maman, dialogue insate. Et comme un lobby, moi n'a pas mis face à Kimindaku. Moi n'a pas mis la balabala, moi n'a pas mis la balabala. Pour nous, dialogue insate n'a pas bafoué. Pour nous, les lobby indélé, ba sanganaki, ba sali héros. Bon, on a pas mis ma casse pour un dialogue. Dialogue de sali, dollar, les lobby de salamakas. Dialogue des salis, les deux livres sterling et Zalamakas. Il y a un moment où le dialogue est nécessaire, na vie, na biso. Dans tout ça, dialogue est unitaire. Tcha tchiki tcha, Congo dialogue, Congo dialogue, Congo dialogue. Pour s'abonner, vous soignez sur la Congo dialogue, série YouTube.